Bonjour et bienvenue dans votre émission Untranouille, au sommaire de cette nouvelle édition. Entretien avec le président, esprit des lois, tribune libre. Stéphane Valéry, bonjour. Bonjour Madame Tomel. Merci de m'accorder cet entretien dans ce bel écrin des Jardins Saint-Martin. Alors, lors de notre dernière émission, le mois dernier, vous souhaitiez un allègement des mesures sanitaires. Alors aujourd'hui, elles sont enfin améliorées. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées ces derniers jours ? Eh bien, écoutez, nous sommes satisfaits. Je crois qu'une fois de plus, le prince souverain, et comme il le fait depuis le début de la crise, a écouté les avis, parfois différents, c'est vrai, qui sont exprimés par le gouvernement et par les élus représentant le Conseil national dans ce comité mixte qu'il a créé lui-même au mois de mars. Alors, il est vrai que nous trouvions que le gouvernement n'allait pas suffisamment vite dans la levée de ces mesures de restriction, à la fois pour retrouver la liberté attendue par les monégasques et les résidents, mais aussi pour encourager la relance économique, nous l'avons dit. Il y a eu des débats, effectivement, contradictoires entre nous. Le prince souverain a tranché. Il y a déjà plus d'une semaine, il avait décidé donc la suppression du masque en extérieur, en dehors de quelques lieux très fréquentés. Et puis, donc, depuis quelques jours, suite au dernier comité mixte, il a pris les bonnes décisions avec la levée du couvre-feu, avec aussi l'ouverture de nos restaurants à tous les clients, quel que soit leur lieu de provenance, sous certaines restrictions sanitaires justifiées pour préserver la population de Monaco, car nous avons toujours dit qu'il faut concilier à la fois la relance économique, mais aussi bien sûr la sécurité sanitaire des résidents. Donc demander effectivement la preuve à ces personnes extérieures à Monaco, aux Alpes-Maritimes et à la province d'Imperia qu'elles ont été vaccinées ou qu'elles ont fait un test négatif de moins de 72 heures, ça nous semble pleinement justifié. Donc nous sommes satisfaits. Monaco a très bien géré cette crise, mieux que d'autres pays. Et nous ne voulions pas que, je dirais, alors que la course, en tout cas nous le souhaitons, arrive à la fin, nous ne souhaitions pas que Monaco fasse du surplace et prenne du retard. C'est chose faite. Nous sommes désormais de nouveau parmi les pays les plus ouverts pour la liberté et pour la relance économique. Mais, et là nous sommes en phase avec le gouvernement, il faut ajouter que nous devons rester prudents, que nous devons porter le masque en intérieur, que nous devons respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires partout, comme les monégasques et les résidents l'ont fait depuis le début. Donc il ne faut pas pour autant relâcher nos efforts, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Il y aura encore quelques cas positifs en principauté, mais je rappelle que être positif n'est pas être malade. Et depuis plusieurs semaines maintenant, il n'y a plus personne, plus aucun résident hospitalisé. Ça veut dire que les cas positifs qu'on a rencontrés sur notre territoire de résidents sont soit des jeunes asymptomatiques, soit des gens vaccinés, protégés par le vaccin. Et donc, je le répète, ne dramatisons pas si malheureusement quelques cas positifs sont constatés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils ne donnent plus lieu. Et si on se fait vacciner et continuons à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne donneront pas lieu à des cas graves et à des hospitalisations et encore moins à des réanimations. Alors, vous parliez de liberté. Certains s'inquiètent. Que pensez-vous du pass sanitaire ? Oui, alors là, il faut bien mettre les choses en place. Je m'adresse bien sûr aux monégasques et aux résidents qui pourraient penser que la création du pass sanitaire, comme le demandait aussi d'ailleurs le Conseil national depuis plusieurs semaines, par le gouvernement, donc qu'il a désormais mis en place, est une atteinte à la liberté sur le territoire de la principauté. Pas du tout. Ce pass sanitaire, au contraire, il donnera la liberté aux monégasques et aux résidents de pouvoir voyager dans tous les pays, bien sûr en France, en Europe et dans le monde, pour les pays qui vont l'exiger. Donc c'est au contraire, c'est un outil vers la liberté de voyager. Sans cela, effectivement, dans de nombreux pays, à partir de maintenant, d'ores et déjà, et en tout cas du 1er juillet en Europe, on ne pourrait plus accéder au voyage si on était résident de la principauté. Donc ne confondons pas cette liberté avec l'obligation de produire un pass sanitaire sur notre territoire pour nos résidents. Ce n'est pas le cas. Donc ce que nous demanderons pour protéger effectivement la population de Monaco, c'est notamment dans les restaurants, de fournir pour ceux qui viennent de loin la preuve qu'ils ne sont pas positifs. Mais ceci ne sera pas demandé ni aux résidents, ni d'ailleurs aux habitants des Alpes-Maritimes ou de la province d'Imperia. Donc voilà, je crois que c'était important de faire cette mise au point. Le pass sanitaire de la principauté est un plus pour la liberté, certainement pas une contrainte pour nos résidents.
Nous sommes entre deux périodes. Nous sommes loin du plus fort de la crise où toute l'activité était bloquée, mais pas encore en régime de pleine reprise. Est-ce que vous pensez qu'il est important de continuer de soutenir les entreprises ? Oui, en tout cas, oui, dans certains secteurs, pour certaines entreprises, nous ne sommes pas totalement sortis de cette crise. En tout cas, si beaucoup de secteurs retrouvent une activité progressivement vers la normale, ils demeurent encore, on le sait, des secteurs très impactés. Je pense bien sûr à tous les commerçants qui vivent des croisières, aux magasins de souvenirs, aux commerçants de Monacoville en particulier. Je pense au secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, aux agences de voyage, aux agences événementielles. Il est très important, et on l'a dit, on l'a promis, que tant que la situation le justifiera, l'État monégasque soit aux côtés de nos entrepreneurs, de nos commerçants en difficulté. C'est pourquoi il a été décidé par le gouvernement, en concertation et bien sûr à la demande des élus, de poursuivre le CTTR, ce chômage temporaire total renforcé, jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais il est normal aussi que dans les secteurs qui reprennent une activité progressivement normale, l'argent public ne continue pas d'être distribué inutilement. C'est pourquoi, en dehors de ces secteurs très impactés, dans les autres secteurs de l'activité économique, il va falloir désormais démontrer un recul d'au moins 20% de son chiffre d'affaires et on va responsabiliser davantage les entrepreneurs en demandant un reste à charge pour eux de 30% pour les salariés en CTTR. Le but, c'est que tout le monde reprenne le travail quand c'est possible dans les secteurs qui reprennent donc leur activité normale et non pas que certains, même s'ils sont marginaux et très minoritaires, se servent effectivement du CTTR pour en fait faire financer des salaires par l'argent public, alors que les salariés ne demandent qu'une chose, c'est évidemment de reprendre le travail. À propos des entreprises, un sujet fait débat, je pense aux critiques de certains syndicalistes, c'est l'aménagement concerté du temps de travail. Quelle est votre position ? Cette loi, donc, qui est un projet de loi d'origine à l'initiative du gouvernement, a été voté par le Conseil national, mais avec deux amendements qui devraient rassurer tous les salariés qui peuvent, je le comprends très bien, se poser des questions, tous les syndicalistes de bonne foi qui aussi peuvent s'interroger. Et donc je tiens à rappeler que nous n'avons voté cette loi qu'avec un amendement qui impose une contrepartie à l'avantage des salariés. Donc il y a une demande, c'est vrai, de secteurs d'activité qui ont une activité saisonnière, il y a une demande d'employeurs. Ça fait partie de la modernité de pouvoir proposer une adaptation du temps de travail à la demande des clients. Tout le monde le comprendra, tous ceux qui ont géré ou qui gèrent des commerces et des entreprises le comprendront. Mais alors, il faut aussi que les salariés trouvent leur compte. Donc nous avons amendé le projet gouvernemental pour introduire l'obligation, au minimum, on pourra faire mieux, mais au minimum de donner 10% de salaire complémentaire, donc au-delà des 39 heures, aux salariés qui accepteraient cette nouvelle organisation du travail. Mais surtout, nous avons introduit un amendement qui rend obligatoire le vote des salariés à bulletin secret qui se prononceront pour ou contre l'accord proposé par l'employeur. Donc je crois qu'il faut vraiment rassurer tout le monde. Je vois mal comment des salariés pourraient protester, faire grève ou manifester contre un projet qu'eux-mêmes ils auraient voulu, puisqu'ils auraient voté en faveur de ce projet. Donc on voit bien que la contestation, si elle est de bonne foi, il faut l'expliquer, il faut expliquer ce que je viens de faire, les conditions de cette loi qui doivent rassurer tout le monde. Elle est idéologique, alors c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais si certains syndicalistes s'opposent par idéologie parce qu'ils ne peuvent imaginer un accord favorable avec un employeur, alors je pense qu'il ne faut pas qu'une minorité de syndicalistes, soyons clairs, de l'USM, de l'Union des syndicats de Monaco, veuille bloquer la demande majoritaire des salariés dans une entreprise. Nous sommes pour la démocratie sociale et donc il n'y aura pas d'accord qui n'apporte pas l'adhésion des salariés. C'est pourquoi je ne vois vraiment pas le problème, en dehors d'une contestation virtuelle ou idéologique, je vois mal les salariés, je le répète, durablement contester un texte qui ne leur sera pas appliqué s'ils ne souhaitent pas qu'on le leur applique. Pour autant, on a un devoir d'explication, de pédagogie à faire. Nous avons donc reçu les dirigeants, depuis le vote de cette loi, les dirigeants de la Fédération des syndicats de salariés, la F2SM. Nous avons reçu également
l'intersyndicale dont tous les syndicats des jeux de table et des appareils automatiques de la Société des Bains de Mer. Et je crois que de ces échanges, toutes les garanties qu'ils pouvaient souhaiter ont été données. Je suis bien sûr avec mes collègues du Conseil à la disposition aussi des dirigeants de l'USM qui, eux, n'ont pas pour le moment souhaité nous rencontrer, mais s'ils le souhaitent, ils seront également écoutés et nous échangerons également avec l'Union des syndicats. Alors, un autre sujet qui fait débat, Président, les enfants du pays, on en parle souvent, ils se sentent souvent oubliés. Ils seront d'ailleurs au cœur de cette séance publique. Oui, ça fait très longtemps qu'on parle de cette expression. Moi, ma mémoire me ramène à 1988 et aux premiers échanges au Conseil national quand j'étais le Benjamin avec le président Jean Charleret. C'est une expression qu'il utilisait, que j'ai reprise aussi depuis cette époque. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais défini qui sont les enfants du pays. Alors chacun a son sentiment, a son feeling, a sa définition. Il était important, je crois, qu'un texte de loi les définisse de manière précise. Donc ça sera chose faite, puisque nous votons effectivement le 30 juin, nous votons une loi qui va définir la notion d'enfant du pays. Ce projet de loi, qui est d'origine de l'ancienne mandature du Conseil national, a été amendé par ce Conseil national que je préside, puisqu'en fait, le texte qui était revenu était une simple déclaration d'intention, le gouvernement disant qu'il était reconnaissant envers cette communauté, qu'il effectivement soulignait le rôle qu'elle a eu dans le développement de la principauté et qu'il reconnaissait son attachement à Monaco, mais qu'il ne la définissait pas. Donc nous l'avons définie et nous avons trouvé un consensus avec le gouvernement. Je peux donc vous dire que seront donc enfants du pays toutes les personnes qui sont nées en principauté de Monaco et qui y ont toujours vécu sans discontinuité depuis leur naissance, avec des exceptions justifiées, bien sûr, pour des raisons médicales qui ont pu faire naître hors de Monaco, ou pour les études, ou pour le service militaire à l'époque. Mais voilà la notion d'enfant du pays. Pour autant, le vrai sujet, c'est leur logement. Et donc, nous travaillons aujourd'hui d'abord pour bien loger les monégasques. Et ça, je tiens à le dire, les élus du Conseil national, d'abord et avant tout, veulent donner la priorité du logement dans leur pays aux nationaux. C'est pour cela qu'un plan national logement a été demandé par le Conseil national depuis l'élection de 2018, qu'il a été décidé par le prince souverain, qu'il est en cours de réalisation et dont je veux dire à mes compatriotes, d'abord et avant tout, que nous allons tous bien les loger, que ce secteur domanial, évidemment, est strictement réservé à eux, aux personnes de nationalité monégasque. Justement, si les monégasques sont bien logés, les enfants du pays seront logés également, puisque le secteur protégé va se libérer. Voilà. Donc effectivement, mais définir la notion d'enfant du pays, avec d'ailleurs des critères qui vont être repris dans la loi sur le logement, où ils ont déjà, vous le savez, droit de s'inscrire pour le secteur protégé, nous allons quand même donner une priorité à ce que je pourrais appeler les petits-enfants du pays, c'est-à-dire ceux qui certes sont nés à Monaco et y ont toujours vécu, mais ont aussi un papa ou une maman qui eux-mêmes étaient déjà nés à Monaco, donc ceux-là seront priorisés dans le secteur pour trouver un appartement dans le secteur protégé. Je voudrais aussi rassurer ceux qui ne sont des gens du pays, c'est-à-dire ceux qui ont des attaches de longue durée avec Monaco, mais qui ne sont pas nés à Monaco, qui sont arrivés parfois lors de leur enfance, parfois plus tard, mais qui ont au moins 40 ans de résidence à Monaco. La loi 1235 leur donnait la possibilité de s'inscrire. La nouvelle loi, dans les nouveaux ordres de priorité, leur donnera toujours. Ce ne sont pas des enfants du pays au sens de la définition, mais ils ont des attaches aussi de longue durée avec Monaco. Ils garderont la possibilité de s'inscrire pour ce secteur protégé, qui effectivement sera plus accessible dans les deux prochaines années. Les 600 logements en cours de construction seront livrés en 2022, en 2023 aux Monégasques. Donc après que le domanial soit de nouveau accessible à tous les Monégasques qui en ont besoin, effectivement, ce secteur protégé va se libérer et il y a un appel d'air qui va se constituer pour notamment ces enfants du pays, bien sûr. Alors, nous parlions du secteur protégé. Alors, vous êtes engagé dans votre programme à faire jouer à l'État son rôle pour arrêter les atteintes aux droits de propriété des petits propriétaires. Ils vont pouvoir bénéficier d'une allocation compensatoire de loyer. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, une fois de plus, cette mandature va faire des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Donc, bien sûr, dans le consensus avec le gouvernement et dans l'accord des volontés, comme le prévoit la Constitution, entre le prince souverain et le Conseil national. Mais enfin,
Donc pour la première fois depuis 1947, c'est quand même un événement qui mérite d'être souligné. Au-delà des phrases, des paroles, des engagements sans doute sincères par le passé, hein, mais qui ne se sont jamais concrétisés par rien du tout, il va y avoir donc également ce 30 juin le vote de cette loi qui va créer cette allocation compensatoire de loyer pour les petits propriétaires. Alors bien évidemment, on aura toujours des gens qui trouveront qu'on peut faire plus, qu'on peut faire autrement, mais chacun son rôle, hein, nous faisons. Nous sommes aux responsabilités, nous avançons et personne ne pourra contester que c'est la première fois et que ça va très largement dans le sens attendu pour faire porter, donc supporter par l'État ce rôle social qui effectivement était sur les épaules des petits propriétaires depuis 1947. Désormais, donc, un mécanisme va compenser donc, le loyer perçu par le propriétaire, un loyer qu'on lui impose, donc avec un locataire qu'on lui impose. Donc on va prendre la moyenne des loyers perçus dans le secteur protégé, réglementé, rénové, la comparer donc avec la moyenne des appartements du même secteur ancien libre, et la location va compenser la différence par un forfait qui sera versé au propriétaire. Ça permet donc en fait d'encourager aussi à la rénovation, car il n'aurait pas fallu que ceux qui n'ont absolument jamais rénové touchent davantage d'aide de l'État que ceux qui ont fait l'effort de rénover leurs appartements. On en a tenu compte. Ce n'est pas négligeable. C'est, selon les estimations, peut-être 5, 6, 7 millions d'euros par an d'aides publiques qui vont être données aux petits propriétaires. Et c'est vrai que nous avons retenu la barre des 500 mètres carrés pour demander et avoir droit à cette aide, et la prise en charge seulement de 300 mètres carrés, parce qu'il faut aussi préserver l'intérêt de l'État et l'argent public, et parce que donc, le débat a eu lieu entre nous, les élus, avec le gouvernement. C'est un équilibre, un arbitrage. On peut le discuter, mais il a été estimé que ceux qui possèdent plus de 500 mètres carrés, effectivement, n'ont pas besoin d'aide, et que ceux qui ont entre 300 et 500 mètres seront aidés seulement jusqu'à hauteur de 300 mètres carrés. Vous avez compris, cette mesure, elle est destinée avant tout à ceux qui possèdent un ou deux appartements et qui, effectivement, ne sont pas des gens aisés et qui souvent ont eu des problèmes, ne serait-ce que pour entretenir leurs immeubles, leurs façades ou la rénovation de leur appartement. Donc voilà, une mesure concrète dès le 30 juin. Alors toujours concernant le secteur protégé, je n'ai pas vu à l'ordre du jour de cette séance le texte concernant la sauvegarde. Est-ce que le sujet est abandonné ? Non, vous observez bien. Effectivement, nous ne sommes pas prêts le 30 juin, mais c'est un texte très important, encore un, qui là aussi va être historique parce que de nouveau, pour la première fois depuis 1947, sur ce dossier aussi, nous allons envisager donc de sauvegarder le secteur protégé qui, vous le savez, pour le moment disparaît petit à petit sous les coups des pelleteuses des nouvelles opérations qui sont construites sur les anciens immeubles. Puisqu'aujourd'hui, un nouvel immeuble construit sur ces anciens immeubles protégés est soumis au secteur libre, donc il est totalement libre de loyer et évidemment inaccessible pour la grande majorité des monégasques et des enfants du pays. Donc ce texte, nous allons le voter, je peux vous en donner la date, en accord avec le ministre d'État, je convoquerai en session extraordinaire le Conseil national le 21 juillet, bien sûr, le 21 juillet prochain, la loi sera votée. Et si nous ne sommes pas tout à fait prêts encore, c'est que nous voulons là aussi concilier par un juste équilibre, en étant responsable et pragmatique, deux aspirations qui sont absolument légitimes l'une et l'autre. D'abord, bien sûr, la sauvegarde de ce secteur protégé. Il faut redonner dans les nouveaux immeubles construits des appartements neufs de qualité, propriété de l'État, loués à loyer modéré à cette population de monégasques et d'enfants du pays, essentiellement d'enfants du pays, bien évidemment, puisque les monégasques, on l'a dit, seront dans les domaines. Mais en même temps, il faut aussi penser à ne pas bloquer la construction immobilière, les chantiers. Nous en avons besoin pour faire travailler nos entreprises, nous en avons besoin pour les recettes du budget national, notamment en TVA immobilière. Donc nous sommes en train de calculer sur plusieurs schémas la compensation en mètres carrés qui doit être donnée dans le nouvel immeuble. Et nous voulons trouver le juste équilibre. Donc la direction de l'urbanisme est en train d'évaluer les conséquences de plusieurs propositions. Et c'est uniquement quand nous aurons les conclusions de ces études qu'en élu pragmatique et raisonnable avec le gouvernement, nous trouverons la meilleure solution. Donc rendez-vous le 21 juillet pour la sauvegarde du secteur protégé. Donc pas de vacances pour vous? Alors du moins pas de vacances au mois de juillet.
Vous l'avez compris, donc les conseillers nationaux, les conseillères nationales vont travailler donc pour cette séance extraordinaire du 21 juillet. Non, après, bien sûr, donc je crois que la plupart des monégasques, des résidents, qu'ils soient membres du gouvernement ou conseillères nationales ou conseillers nationaux, prendront des vacances au mois d'août, moi aussi. Mais vous savez, on se détache jamais complètement des attentes, des besoins des monégasques et des résidents et de la situation en principauté, donc même en vacances. Pendant les deux semaines que je prends traditionnellement au mois d'août, je serai quand même très à l'écoute de ce qui se passe dans notre pays. Et voilà, donc permettez-moi peut-être en conclusion, malgré tout, comme on ne se reverra pas jusqu'à la session d'automne, de souhaiter de très bonnes vacances grâce au pass sanitaire, là où ils ont envie d'aller, hein, pour tous les monégasques et tous les résidents. Puis on vous souhaite également un bel été, Stéphane Valéry. Merci beaucoup. Merci, Président. Alors, nous avons vu avec Stéphane Valéry les enfants du pays ainsi que le secteur protégé qui seront à l'ordre du jour de cette séance publique. Je vous propose tout de suite de regarder l'esprit des lois. Les enfants du pays sont nos cousins, nos camarades de classe, nos amis, nos voisins. Installés de longue date à Monaco, ils participent au tissu social et culturel de notre pays et pourtant n'ont pas, jusqu'à ce jour, de reconnaissance légale en dehors des rangs de priorité qui leur sont accordés dans le cadre de la loi 1235 sur le logement dans le secteur protégé. Les élus ont donc souhaité corriger cela en donnant une définition légale des enfants du pays qui, par là même, reconnaîtra qu'ils constituent, aux côtés des monégasques, une composante importante de la population historiquement attachée à Monaco. Ce texte est finalement un cadre qui va définir les enfants du pays et servir de base aux législations futures les concernant. Durant l'étude de ce texte, les élus ont été animés par la volonté de répondre à une attente de longue date des enfants du pays tout en préservant les équilibres essentiels à notre pays. Pour cette raison, la commission de législation a abouti à une loi qui définit ce que sont les enfants du pays sans entrer dans les droits spécifiques qui, eux, seront intégrés à de prochains textes et notamment le projet de loi numéro 1006 sur la sauvegarde du secteur protégé qui sera examiné courant juillet par le Conseil national. Au terme de ce texte est défini comme enfant du pays toute personne née à Monaco et qui y a résidé depuis sa naissance. Bien entendu, les enfants du pays établis en principauté depuis plus d'une génération ne seront pas oubliés et bénéficieront d'un rang de priorité supérieur dans l'accès au secteur protégé. En effet, afin de répondre à l'objectif de préserver à Monaco une population stable d'enfants du pays, la première préoccupation est bien entendu le logement. La première urgence à laquelle les élus ont fait face dès le début de la mandature, chacun s'en souvient d'ailleurs, est de répondre à la pénurie de logements pour les monégasques. L'exécution du plan national pour le logement, mis en place à l'initiative de son altesse sérénissime le prince Albert II et souhaité par les élus, devrait mettre fin à cette pénurie. Ainsi, les appartements libérés dans le secteur protégé pourront profiter pleinement aux enfants du pays. Au final, le texte amendé que nous allons examiner et soumettre au vote des élus ce 30 juin est une première étape fondamentale qui sera suivie dans les prochaines semaines, courant juillet, d'un autre texte essentiel également, issu d'une proposition de loi du Conseil national sur la sauvegarde du secteur protégé. Je vais prendre quelques instants pour vous reparler du secteur protégé en principauté de Monaco. Comme vous le savez, c'est un secteur d'habitation indispensable au logement et au bon équilibre social de notre pays. Pour autant, c'est un secteur très ancien, avec des immeubles construits avant 1947. Et un de nos objectifs, avec le projet de loi 1006, est de rénover ce secteur en le transférant progressivement vers des nouveaux immeubles qui offriront des appartements bien plus confortables que ceux d'aujourd'hui. Notre majorité a placé le logement au cœur de sa politique. Et ce mandat sera celui qui aura permis à chaque monégasque, dont la situation le justifie, de pouvoir enfin être attributaire d'un appartement domanial de grande qualité. Mais
La question du logement ne se limite pas au secteur domanial. Et c'est pour cela que nous avons travaillé depuis 3 ans sur un deuxième volet qui concerne le secteur protégé. Dans un premier temps, nous pensions pouvoir voter la future loi le 30 juin prochain. Mais l'enjeu de ce texte est tellement important qu'il nous est apparu finalement préférable de le repousser de quelques semaines afin d'appréhender tous les aspects techniques et politiques de cette future loi. Et je vous l'explique. Le principe que le Conseil national défend est que lorsqu'un vieil immeuble comprend des appartements du secteur protégé, il ne pourra plus jamais être détruit sans compensation un appartement protégé dans le futur nouvel immeuble. C'est en ce sens qu'il s'agit de sauvegarde du secteur protégé et de surcroît, nous souhaitons que ce soit l'État qui en devienne propriétaire au coût de la construction pour pérenniser le secteur. Qui dit destruction d'un immeuble dit également promotion immobilière. Et si nous voulons des nouveaux appartements protégés dans des nouveaux immeubles en remplacement des anciens, nous devons aussi veiller à trouver un équilibre financier qui permettra aux promotions immobilières de continuer à se réaliser et d'assurer ainsi le développement économique qui est si indispensable aux recettes de l'État. Dès lors, vous aurez compris que les discussions actuelles se poursuivent entre le Conseil national et le gouvernement, en restant bien évidemment à l'écoute des professionnels du secteur. À ce stade, des études des services de l'État sont toujours en cours pour évaluer l'impact des différentes hypothèses et nous nous retrouvons bientôt avec les services de l'État, avec les services administratifs, début juillet pour analyser ces résultats. Je veux rappeler enfin tout l'enjeu de cette loi qui concerne les enfants du pays, mais également de nombreux conjoints divorcés qui n'ont pas acquis la nationalité mais qui sont parents d'enfants mineurs monégasques que l'on pourra ainsi loger en principauté dans leur pays et dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Monaco a décidé de réguler son secteur immobilier locatif afin de garantir l'accès au logement pour les monégasques et les enfants du pays. Les règles qui encadrent ce secteur protégé ont évolué depuis, notamment avec la loi 1235, mais continue de faire peser sur les propriétaires de ces biens immobiliers une partie du rôle social de l'État. Ce projet de loi numéro 1015, issu d'une proposition de loi votée au Conseil national le 4 décembre 2018, va ainsi créer l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux du secteur protégé. Le principe général de ce texte est de compenser l'effort de ces propriétaires, souvent de patrimoine familiaux, en leur versant une allocation lorsqu'ils louent leurs biens soumis à la loi 1235 et donc dont le loyer est encadré par la loi. Alors, d'une manière simple, l'État va verser aux propriétaires concernés par cette loi une allocation basée sur le rapport entre le loyer encadré par la loi 1235 et les loyers pratiqués dans le secteur libre ancien. Il est important de préciser que ce texte ne concerne, bien entendu, que l'immobilier ancien, en l'occurrence, bâti avant 1947. Enfin, il faut également préciser que l'ensemble des biens acquis hors succession et donation, après 2004, ne seront pas concernés par ce texte. Aussi, en accord avec le gouvernement, le Conseil national a souhaité préserver les biens de famille sans pour autant permettre à ceux qui auraient acquis ces biens en pleine connaissance de ce marché d'en bénéficier. Alors, les échanges avec le gouvernement ont essentiellement porté sur le périmètre des biens éligibles et le niveau de compensation octroyé aux petits propriétaires. Pour les élus, il était important que cette allocation dépasse le stade du symbole et offre une réelle compensation aux propriétaires, tout en étant supportable par nos finances publiques. Au final, nous nous sommes accordés sur un double seuil d'éligibilité. Seront ainsi concernés les petits propriétaires possédant en principauté, moins de 500 mètres carrés de logements d'habitation, tout secteur d'habitation confondu, et l'allocation compensatoire sera limitée à 300 mètres carrés de logements. Quant au niveau de compensation, il est apparu aux conseillers nationaux qu'il fallait que cette allocation soit également incitative à la rénovation de locaux, et donc le seuil référence retenu pour calculer le montant de cette allocation et le prix moyen de location d'un appartement sous loi 1235, réputé remis à l'état neuf,
comparé au prix moyen dans le secteur libre ancien, c'est-à-dire bâti avant 1947 et dit libre de loi. In fine, cette mesure devrait ainsi inciter à la rénovation, d'autant qu'il sera demandé un certificat de mise aux normes de sécurité et de confort pour pouvoir bénéficier de l'allocation versée par l'État. Chers compatriotes, vous le savez, depuis le début de la crise que nous avons traversée et qui perdure sur le plan sanitaire, économique et social, le Conseil national a été pleinement mobilisé pour être non seulement force de proposition auprès du gouvernement, mais aussi pour adapter notre législation lorsque cela a pu s'avérer nécessaire. Je rappellerai le vote en urgence des textes concernant la mise en place du télétravail, l'interdiction des licenciements en période de crise sanitaire ou encore le vote de plusieurs budgets rectificatifs de crise. Pour autant, en plus de cette mobilisation, le Conseil national, élu comme permanent, a dû poursuivre ses travaux législatifs avec une intensité qui n'a pas faibli, bien au contraire. Cette implication de chacun pour que d'importants textes soient votés doit être soulignée et je veux remercier mes collègues de la majorité Priorité Monaco, ceux des minorités avec qui nous travaillons dans de bonnes conditions et bien sûr le président Stéphane Valéry qui a travaillé sans relâche tant depuis le début de ce mandat que depuis le début de la crise. Cette intensité législative a par exemple été illustrée par le vote de la loi concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, qui permet à notre législation d'être en conformité avec les standards européens dans ce domaine. Les équipes du Conseil national ont beaucoup travaillé, et c'est encore le cas à l'occasion de cette session de printemps, durant laquelle d'importants textes ont été et seront encore votés, que ce soit en matière de droit social ou encore en faveur des enfants du pays ou de la sauvegarde du secteur protégé. Pour aboutir au vote de ces textes, il est nécessaire que les élus aient un dialogue parfois contradictoire avec le gouvernement. Mais en défendant nos positions, qui sont conformes aux attentes des monégasques et des résidents, nous arrivons la plupart du temps à un accord équilibré et responsable sur chacun d'entre eux. Mes chers compatriotes, avec cette crise sanitaire, sociale et économique, les paradoxes de notre existence se révèlent plus que jamais au grand jour. La science a su relever le défi impensable de nous offrir un vaccin en moins d'un an. Seul celui-ci permettra de rompre cette spirale infernale dans laquelle nous nous trouvons. Il faut encourager chacun à y souscrire dans l'espoir d'un retour à ce que nous tenons pour normal. Mais pour la crise environnementale et sociale qui grondait déjà avant, il n'y aura pas de vaccin. L'intelligence collective sera notre meilleur atout pour la surmonter. En principauté, nous avons réussi à échapper à l'isolement. Cette réussite collective, nous la devons à notre gouvernement et au prince souverain, et nous le devons au dialogue et à une unité nationale rendue nécessaire par la gravité de la situation. Tout d'abord entre nous, les élus du Conseil national, puis avec le gouvernement, au sein du comité mixte voulu par le chef de l'État. Cette bonne pratique de dialogue permanent, qui a désormais fait ses preuves, doit s'inscrire dans nos habitudes, et le projet de reconnaissance faciale par vidéosurveillance voulu par le gouvernement en sera le premier test véritable à court terme. Je l'ai déjà dit depuis près de 18 mois, je suis farouchement opposé à cette technologie. Mais en m'exprimant contre la reconnaissance faciale, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait davantage de sécurité à Monaco. C'est un faux procès. Je crains les intrusions malveillantes de hackers dans ce système. Le risque zéro, en particulier dans ces domaines technologiques, n'existe pas. La pandémie a secoué nos certitudes et mis nos cerveaux en mouvement pour réfléchir à ce qui est vraiment important. La reconnaissance faciale n'en fait définitivement pas partie. Songez-y. Chers compatriotes, c'est ce 30 juin, jour de clôture de la session législative en cours, que seront soumis au vote des élus deux projets de loi très attendus. Le premier concerne les enfants du pays. Sujet sensible, ce texte a été l'objet, au fil des commissions, de très nombreux amendements d'ajout, tous témoins de la volonté pour une majorité de conseillers nationaux d'inscrire dans la loi non seulement une définition des enfants du pays, mais aussi les avantages particuliers que leur appartenance à ce groupe de résidents peut leur conférer dans les domaines du logement, de l'emploi et de l'aide sociale. C'est en définitive, à notre grande déception, un texte réduit à l'extrême, un article unique ne conservant que la définition qui sera soumise ce mercredi à notre vote. J'en viens maintenant au projet de loi 1015 qui traite de l'allocation compensatoire de loyer qui sera octroyée aux propriétaires de logements soumis à la loi 1235, privés depuis plus de 70 ans d'une partie de leurs revenus en raison de loyers bloqués.
Si l'effort d'après-guerre, qui incombait légitimement à tous, a permis, avec la mise en place de loyers bloqués, l'accès au logement de nombreux résidents, il était vraiment grand temps que l'État assume dorénavant le rôle social qui est le sien. Bien entendu, les conditions d'obtention de cette aide seront soumises à des conditions dont certaines n'emportent d'ailleurs pas mon assentiment. Mais cette loi a le grand mérite de tenter de réparer une injustice durable. Je vous remercie. Chers compatriotes, depuis le début de ce mandat, la majorité primo du Conseil national s'est bien sûr attachée à l'application du programme choisi par une grande majorité de monégasques. Logement, jeunesse, sujet de société, la plus grande partie du projet politique proposé par le président Valéry et son équipe a été mise en œuvre, en lien avec notre partenaire institutionnel, le gouvernement. Depuis début 2020, l'action du Conseil national a dû se concentrer sur les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, notamment sur les plans économiques et social. Le Conseil national, à travers ses demandes en comité mixte de suivi avec le gouvernement, y a joué et y joue encore tout son rôle. Nous avons veillé notamment à la poursuite justifiée du CTTR pour les salariés et à la poursuite efficace de l'utilisation des fonds de relance et particulièrement le fonds bleu afin de profiter de cette période pour accélérer la transformation numérique de nos acteurs économiques. Balthazar Seydoux et moi-même représentons par ailleurs l'Assemblée au sein de la CAIR pour y défendre les besoins des entreprises en difficulté directement impactées par la situation que nous avons connue ces derniers mois. La majorité au Conseil national travaille dans l'union nationale avec les représentants des minorités pour faire de cette sortie de crise un véritable modèle en la matière. La saison estivale sera l'occasion de la relance pour beaucoup de secteurs durement touchés comme l'hôtellerie, la restauration ou l'événementiel. Il faudra de longs mois avant de retrouver les niveaux d'activité d'avant Covid. Monaco, dans cette crise, a toujours été un exemple, notamment pour l'ouverture de ses restaurants et de ses commerces. Nous regrettons donc que le gouvernement, malgré les demandes des élus et l'amélioration de la situation sanitaire, ait pris du retard ces derniers temps par rapport à l'assouplissement des mesures en France et en Italie. Nos délégués au comité mixte continueront à défendre les attentes de la population et à se tenir aux côtés des commerçants et de tous les professionnels dans cette période cruciale pour l'avenir de notre vitalité économique et de l'emploi en principauté. Je vous souhaite à tous un très bel été, mais en attendant, on se retrouve ce 30 juin pour la séance publique législative qui sera en direct, bien sûr, sur Monaco Info.